Et là où tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, épisode numéro 6 de The Journey Champions. Et en parlant de Champions, notre premier début en Champions League. Et je pense que cette fois-ci, on va seulement incarner Hunter. Et oui, ça va être un peu plus difficile cette fois-ci contre Tottenham. Finir du groupe... finir premier du groupe lorsque de la fin... Oh mon dieu. On doit finir premier de ce groupe de Champions League. Les gars, aujourd'hui, c'est... Je pense plus difficile. On verra comment on va se bouger sans les mentors. On va se bouger tout seul aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Si on y arrive ou pas. Ou je préfère plutôt avec les mentors. On verra. Vas-y. Oui, passe décisive. Magnifique. On a fait une belle passe décisive pour Benzema. Parfait. Oh là là. On voulait même pas d'ailleurs. J'ai appuyé par erreur. Mais on l'a réussi. Voilà, première passe décisive. Vous voyez pourquoi je vous dis, c'est mieux qu'on joue des fois comme ça. Parce que comme ça, en fait, on pourra mieux s'organiser. Oh, belle récupération. On passe tout de suite. Vas-y. Et une autre passe décisive, les gars. On arrête. On a tout fait. On arrête. Benzema, il va se sentir rené avec nous. Et ça, en Champions League. Qu'est-ce qui se passe, les gars? En Champions League. Oh, mon Dieu. Bravo Benzema, quel beau but. Voilà, donc on n'a rien approché. On fait l'un un but avec l'autre, avec Benzema. Je crois que l'entente, on aurait dû la mettre avec Benzema, hein, les gars. Ça serait mieux, hein. Mais c'est un adversaire qui récupère. Allez, Alex. Je passe là. Bravo, Bale. Tu pourras le faire. Allez. Bien joué. Les amis, désolé, il faut arrêter à nouveau cette vidéo pour un petit instant. Alors, troisième et quatrième but, les amis, je peux pas vous le montrer parce que l'Elgato n'a pas enregistré, a bugué, a fait du n'importe quoi. Je peux vraiment pas vous l'expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, vous ne verrez pas le troisième et quatrième but. Donc, le troisième but, c'était par Benzema, par passe décisive à nouveau de notre part. Et le quatrième but, Casemiro avec un but en plein lucarne. Vous n'aurez pas pu le voir parce que l'Elgato fait son fils de pute. Je suis désolé. Et bonne vision. Bon, bonne continuation. Oh merde, on a reperdu le ballon. Chier. Mais bon, moi je peux pas tout le temps rester comme ça. Putain, c'est trop bien qu'on est en train de bien jouer, tu vois. Je suis vraiment content parce que j'aurais peur que j'aurais fait beaucoup de choses mal, tu vois. En fait, non. En fait, le truc avec le mentor, je pense que ça nous a plus aidé que autre chose. Oui, la passe oui. De Bale, bien vu. Oh oui, elle est dedans. On fait même un but. On arrête. On arrête. Là, était vraiment très simple. On arrête. Tout nous réussit. Tout nous réussit. Mon Dieu, quelle construction. Et le but. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Et je joue en difficulté pro, hein. J'ai pas changé depuis, hein, les gars. Je tiens quand même à préciser, hein. Abusé. Ouais, putain, Alex, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sais pas ce que c'est arrivé là. Alex, il s'est réveillé d'un moment à l'autre, comme ça. J'arrive maintenant à faire des trucs qu'avant j'arrivais pas. Tout simplement, je sais pas ce qui se passe. Oh bah là, il a préféré rester en mode avertissement. Karim Benzema, le but. Les gars, moi, la difficulté, je l'ai pas changé. C'est pas de ma faute si on joue bien. 6-0 contre Tottenham. Et avant, on était en train de chialer contre notre équipe de merde.
La série qui continue. Putain. Le buteur fou du jour. Dans un grand jour, hein, il veut marquer le match. Benzema, je sais pas, en Champions League, il a retrouvé le but de... Il a retrouvé ses filets, hein, je sais pas. Quasi décisif. Nous, par contre, aussi, hein, mais... Nous, on a retrouvé même les passes décisives, hein. Ce qui nous manquait dans les autres matchs. Merde. Dans les matchs précédents. Aussi précis dans ses transmissions. Putain, qu'est-ce qui se passe, franchement. Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, je hein, pense qui s'est imposé là. Plutôt devant. Hein. Oui, je l'ai vu jouer non, je voulais pas que tu me repasses, mais ok. Il y a des joueurs qui reculent, lui il avance. Et, ah merde, je croyais que t'allais me repasser, merci. Putain. Modric. Modric. Ouais, ça passe. Il y a pas grand monde pour contrarier. On n'a pas les dribbles quand on a besoin. Oh, non, c'est pas très bien joué. J'arrive à passer bizarrement facilement, hein. Je sais pas pourquoi. J'ai pas, je répète, hein, j'ai pas descendu la difficulté. Hein. Je quand même, je tiens à le répéter, hein, parce que ça a l'air que c'est facile. Hein, ce n'est pas du tout. Hein. Ah voilà, et voilà le but. Je suis à peine de parler et voilà le but. Ce qui est bien sûr décisif hein, sur le but. Harry Kane. La qualité du centre. Hein. Le joueur a vu son coéquipier en part, tu veux de plus. Vrai, on espère que après le repos. Il et il continue à récupérer des ballons, Alex. C'est abusé. Comment il s'est réveillé ici en Champions League. Je comprends pas. C'est comme avec Kim. Avec l'Italie, quand par hasard elle se réveille avec l'Italie, justement contre l'Italie. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est ce Beans. Qui peut certainement marquer dans cette... Je comprends pas trop le positionnement de Alex là. À chaque fois il me dit que je suis dans un mauvais truc. Je comprends pas je comprends pas le pourquoi. Parce que je suis en train de bien aider l'équipe de comme je peux. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Instruction. 7,7, on a 8,9, on a 27 passes. Il faut en faire 10. Putain. Et encore le mec. Et il enlève Benzema encore. Et il te fait une quadriplée, le mec, il enlève Benzema. Tranquille. Tu fais une quadriplée, mais je t'enlève quand même, tu vois, parce que tu pulls la gueule. Ouais, bien joué. Oh, jeu, jamais de la vie, arrête. Il n'y a personne pour venir contrer Carvajal qui va s'engouffrer sur l'aile. Centre. Un dans la but. Surface. Une autre passe décisive. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un malade. Je sais pas ce qui se passe là. 4 passes décisives aujourd'hui. Cette action qui a meuplé. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête. Hein. C'est pas vrai. Les passes décisives qui nous manquaient dans les autres matchs, on est en train de tous les faire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon, je retourne, oh mon dieu. Nouveau poste DC. Défenseur central. Il nous met défenseur central. Mais c'est quoi ton problème de gay là, s'il te plaît? Carvajal. Marco Asensio. Jamais de la vie. Défenseur central, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que défenseur central? Voilà, fini le match. Ça m'embête un peu avec ce défenseur central, les gars. Ça m'embête un peu. Hein. Quoi triplé, 4 buts de Benzema avec 4 tentatives grâce à nous, pratiquement. Hein. On a fait 3 passes décisives seulement à lui. Ça m'embête un peu avec avec le défenseur... Ah, j'ai pas vu. Il y avait écrit quoi? J'ai pas lu... J'ai pas lu... Je sais pas. Donc avec les défenseurs centrales, les gars, franchement, je comprends pas. Pourquoi il me met défenseur central? Après une longue attente, vous avez enfin pu goûter à votre toute première Ligue des Champions. Et on a marqué. Le premier but aussi. Enfin, ce conforme à ce que j'entendais, c'est le résultat qui est... Enfin. Très bien résumé. Enfin. La Ligue des Champions, c'est là que les plus grands joueurs d'Europe viennent révéler leur meilleur niveau. Et je suis très heureux d'avoir enfin l'opportunité de pouvoir aussi évoluer à ce niveau. C'est vrai. Donc vous vous sentez à votre place? Bien sûr. Évidemment, j'ai jamais été autant à ma place. Merci Alex. Ouais. Pourquoi on ne devrait pas se sentir à la place? Attends, on est en train de jouer à Madrid, au Real Madrid. Allô? Comment est-ce que vous allez?
Mais on est en train de parler de quoi là, s'il te plaît? Ouais, on a fait un 7-1 à Tottenham. Putain, j'aurais jamais de la vie cru qu'on aurait fait 7-1 à Tottenham. Bordel de merde. C'est abusé. Je peux vous montrer aussi, hein, paramètres. En tous les cas, moi j'ai rien vu. Je suis en champion. Eh, hey, je suis en champion. Je crois que c'était ça aussi qui m'avait posé la question avant. Que moi j'ai appuyé vite fait. Parce que c'était trop faible, donc maintenant il m'a mis en champion. Mais moi je joue pas en champion, je joue en pro. Hein, je jouais en pro, il m'a mis maintenant en champion. Donc imaginez-vous. Eh, hey, j'ai mis... j'avais pro moi. J'ai fait 7-1, c'est pas de ma faute. Hein. Hey, mais vous avez vu qu'en ligue, moi j'ai chié quand même. Hein. Donc... Voilà, on fait l'entraînement et on revient, les amis, comme d'habitude. Hein, on essaye de faire un bon entraînement, bien sûr. Nous voilà. Aujourd'hui, et on se reverra à la fin. Voilà qu'on termine ainsi cet entraînement. C'était pratiquement ce qu'on avait fait aussi avec Kim. C'est toujours les mêmes choses, hein, je remarque. On a tous remarqué le travail accompli par... Par Hunter, ouais, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc... Ça va. On n'a toujours pas eu ce temps de cette interview que Béatrice, notre agent, nous avait dit. Contre Olympique Marseille, on continue notre truc vers la Champions. Je pense qu'on va rester incarné Inter parce que ça nous a bien porté dans cette Champions League. Et je pense qu'on va rester. Hein. Rien à dire. Il ne faut pas la perdre à cet endroit. Et vous voyez maintenant la difficulté, c'est plus comme avant. Et je joue quand même encore en pro. Donc vous voyez, avant avec Tottenham, je sais pas pourquoi est-ce que ça passait fluide sans forcer, tu vois. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que là, on a déjà à nouveau du mal. Marcelo. Je savais que ça allait venir. Un ballon trop facile. Modric. Ballon pour Hunter. Là. Oui, c'est pas passé grand chose les amis pour l'instant. On est en train toujours de se battre pour avoir une note un peu mieux. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il nous casse les pieds avec cette note de merde là qu'il nous donne. Je comprends pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Marco Sensio. Casemiro. Ah non, le ballon est perdu. On ne passe pas le ballon. Gareth Bale, Alex Hunter, Benzema, Asensio. Mais oui, l'ouverture du bien joué rencontre. Asensio. Et ça, c'est un but qui va tout changer. C'est très difficile cette fois-ci, les gars. Du côté d'en face, c'est pas la même chose, c'est pas comme avant. On va être vite fixé, Pierre. Aucune idée, qu'est-ce qui se passe? Pourtant la difficulté c'est toujours la même. Sur ces images, je comprends pas. En plus, c'est pas de son meilleur pied. Le pire c'est qu'il me demande des passes décisives quand je peux pas les faire. Quand tu me gardes en arrière, comment tu veux que je te fasse des passes décisives? On se demande s'il a vraiment cru avec un tir. Légalisation. On est un petit peu surpris. Ouais, parce qu'on peut le dire, c'est contre le cours du jeu. On va dire que c'est du réalisme, Hervé. Allez, tout est à refaire. 7-1 contre Tottenham, 1 partout contre Marseille en deuxième mi-temps. Que quelqu'un pourrait m'expliquer peut-être ça. Modric. Alex Hunter. S'il avance pas, Benzema, tu veux que je fasse quoi, moi? Ouais, le tacle. Et moi, je peux pas lui passer comme un blaireau. Et après, pour que lui passe à quelqu'un d'autre, et j'ai pas de passe décisive. Hunter. On a décidé de laisser venir l'adversaire, invisiblement. Prends le balle. Passe ici. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Hop. Passe à moi. Karim Benzema. Luka Modric, attention! Voilà, et là tu vas me dire quoi? Tu vas me pousser la bite? On est près de son but. Non mais sérieux. Là, on s'expose, hein, parce que fatalement, quand on perd, on est tout près de sa carrière. On s'expose beaucoup. Là c'était beau. Là c'était beau. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes de. Et là il me dit encore que j'ai reculé, j'ai resté à ma place. Arrête! Laisse-moi ma paix, mec. Laisse-moi te faire gagner au moins. Parce que là c'est toujours à moi de te sauver. Mitroglou, Casemiro. Ah mince. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu.
entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Cross, attention, on peut tuer le match sur ce coup. Et voilà, c'est fait. Oh, cette fois, Pierre, c'est le coup de grâce. Ouais, je pense. C'était moi qui l'a tiré. Hein. Je ne ressens même pas un truc comme quoi, passe décisive, un truc du genre, bien essayé, t'es le meilleur hunter, un truc du genre. Non, rien du tout. On s'en brûle. La seule chose qu'on peut m'écrire, c'est... regardez. On peut rien faire à cette distance. Arrête. Je te régale à une balle, là. Et encore, on me change. Mais toi, t'es vraiment blaireau. Toi, t'es vraiment blaireau. Qu'est-ce que tu me changes, mec? Mais qu'est-ce que tu me changes? Qu'est-ce que tu me changes? Pas normal, lui. Il nous a rechangé à nouveau, les gars. Aucune idée pourquoi. Le mec, il est pas normal. C'est ton entraîneur, il est pas normal. On a 6 points. On a fait 5-1. Bon, le reste, c'est eux. Ils ont fait tout seul. Hein. Les autres deux. Hein. On était à 3. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Scénario, après longtemps, enfin un scénario. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, grand-père? Est-ce qu'il va bien? Il se remet. Ça va? De quoi? La visite lui fait du bien. Maintenant, je sais ce que tu ressens avant un gros match. Maman, ça ira. On va parler avec le logo, c'est ça? Pour le logo. Alex. Ah, c'est là qu'on reçoit notre entourage, en fait. En fait, Kim, elle était avec le temps en avant. On a vu le futur. Béa, et voici mon grand-père, Jim. Jim Hunter. Inutile de nous présenter. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Ce n'est pas la peine de vous lever. Je voulais juste vous serrer la main. Enchanté. Il a l'air bizarre, hein, quand même, le... Je vais vous présenter mon assistant, Maximilian Luis. Para servirlos. Et le responsable du service marketing de Villanova et associé, Francesco Esposito. Buongiorno, ravi de vous rencontrer. Un italien, ouais, forza. Je n'imaginais pas que vous seriez aussi nombreux. Bien, et si on commence... C'est l'entourage qu'on avait vu déjà avec Kim... où on l'a envoyé chier, en fait. Bon. En résumé... Voilà, ça, c'est le logo de notre mère. On associe Alex au loup en communiquant sur son intuition et son intelligence sur le terrain. Et on insiste sur son instinct de buteur dans la surface. Francesco? C'est cool, ça, comme disons idée. Disons que, pour moi, si on fait référence au loup, cela suggère plutôt qu'Alex fait partie d'une meute et qu'il n'a pas d'identité. Pour ma part, je trouve que ça n'est pas très bon. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Bah, on fait partie d'une meute, une équipe, c'est comme ça. On sent du potentiel, chef de meute, ça laisse ça aux experts. Chef de meute. Pour faire plutôt chef de meute. Quelques retouches et ce sera super. Bon, étant donné que nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, je suggère que vous teniez compte de nos commentaires, Catherine. Dans le même temps, je demanderai à mon équipe de trouver autre chose avant qu'on ne se décide. Bien sûr. Ça me paraît équitable. Alors nous sommes d'accord. Parfait. Ok. Alors moi, je suis de toute façon à côté de maman. Hein. Je veux dire, n'importe ce qu'ils vont chercher ou ils vont me présenter ou quoi que ce soit, avec le logo, moi je vous dis clair et net, moi je suis côté de maman, parce que j'ai vu le logo, il a l'air quand même stylé, hein, c'est cool. Hein. Donc il a l'air facile, c'est facile, pas trop compliqué, je trouve que ça passe, tu vois. Voilà, donc on termine ainsi cet épisode, j'espère que vous a plu, donc abonnez-vous à la chaîne Nortexcel pas, laissez un like, et comme toujours, laissez un commentaire comment vous avez trouvé cet épisode-là, et voilà, avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa, peace tout le monde.